Reconnaissez-vous ces petites canailles? C'est la question posée très sérieusement par le FBI de Houston après le braquage d'une banque. Canailles, parce que les trois suspects sont âgés de 16, 12 et 11 ans. C'est l'une des premières fois que je vois ça. Des jeunes accusés de vol âgés de 12 et 11 ans, c'est presque du jamais vu dans un braquage de banque. Selon des témoignages et des images de vidéosurveillance, les trois mineurs seraient rentrés dans la banque et auraient transmis un message de menace à l'un des employés. Si aucune arme n'a été présentée, les braqueurs ont tout de même réussi à s'enfuir avec une somme d'argent. Mais alors, comment de jeunes adolescents peuvent en arriver à commettre de tels actes? J'imagine que soit ils ont agi sur un coup de tête, soit qu'un adulte est derrière toute cette histoire. Ce n'est pas rare, car les mineurs sont punis moins sévèrement. Il arrive donc que des délinquants adultes les incitent à commettre des crimes pour eux. Après la publication de l'avis de recherche, les parents des deux plus jeunes suspects les ont dénoncés et conduits à la police. Le troisième a quant à lui été retrouvé par les forces de l'ordre. Au domicile de l'un d'entre eux, les enquêteurs ont également mis la main sur une arme et un certain nombre de preuves. Accusés de vol sous menace, les trois canailles risquent une mise à l'épreuve jusqu'à leurs 18 ans, ou même un placement en détention de plusieurs années dans une prison pour mineurs.